奪われたもの。ゴジラ、怪獣惑星。Bonjour à tous et bienvenue dans Tokuscope, votre émission sur la science-fiction japonaise et le tokusatsu. Comment vas-tu mon cher Fabien ? Je ne connais pas cet endroit, mais ça va, on est bien. C'est pareil, mais en différent en fait. Oui. Alors oui, petit changement de décor, donc là on est désolé, c'est un petit peu, comment on pourrait dire, work in progress, hein, c'est ça ? Oui, c'est un petit in peu... the works, in the making, sauf que vous ne voyez pas ça vous, à l'écran grâce à la magie de l'audiovisuel. Ouais, non, voilà, juste pour la petite histoire, il y a eu un petit déménagement et ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait d'émission, on estimait qu'il fallait quand même en faire, donc voilà, on a un peu fait un décor avec ce qu'on pouvait et puis... On peut dire la vérité aussi, on avait envie de faire un break. mais voilà, donc la prochaine fois ça devrait être plus ou moins propre, en tout cas plus propre qu'aujourd'hui, voilà, donc... On a fait ce qu'on a pu. Donc on va attaquer tranquillement, ouais. Pépère, avec du lourd. Du lourd, du très lourd, du mastoc, du kaijuesque, puisque comme vous le savez, et sûrement la plupart d'entre vous l'ont déjà vu, Netflix a sorti depuis janvier-février, le nouveau film d'animation Godzilla, Kaiju Wakusei, Godzilla, Monster Planet, Godzilla, Planet of the Monsters, Godzilla, la planète des monstres, rien à voir avec la planète des monstres de Jun Fukuda, qui est donc le premier long métrage d'animation avec Godzilla, qui est le début d'une trilogie. Le début d'une trilogie, donc un film assez attendu, donc qui est sorti au Japon en novembre dernier, donc distribué sur Netflix en janvier, donc qui doit être actuellement peut-être le Godzilla le plus vu au monde en l'état. Et donc, même si ça fait déjà quelques semaines que le film est disponible sur Netflix, on voulait vous en parler. Donc, pour cette reprise tranquille dans ce nouveau décor, on va vous faire notre petit retour, petite analyse du film, et on va aborder d'autres sujets satellites, on va dire, qui gravitent autour de ce film d'animation. Voilà. Donc, on lance notre sujet. Ouais, allez, c'est parti, on lance le Toku Focus. ゴジラは無敵ではない。戦いを諦めた人類にこそ火があった。終わらせてやる！クロー先輩！ゴジラ、怪獣惑星。Alors, avant de parler du film, un petit peu de contexte s'impose, puisque je crois que c'est peu de temps, ou à la même époque que la sortie de Shin Godzilla, ils ont annoncé... Ils ont dit, on va faire un nouveau Godzilla, et en même temps, on va faire un Godzilla animé. Animé, tout à fait. Donc, ça doit être autour de 2015, ouais. 2015-2016, quand ils ont annoncé effectivement le grand revival de Godzilla au Japon. Et donc là, c'est la branche... animation de Toho, donc Toho Animation, qui a notamment produit Your Name, un des plus gros succès de l'année 2016 au Japon. Et donc, ils ont décidé de s'associer avec un autre studio, donc Polygon Pictures, pour faire ce film d'animation. Donc, on a annoncé effectivement une trilogie d'animation faite en cel shading, en fait. Ils ont récupéré, il me semble, un réalisateur de Blame,
Et en fait, c'est le fruit de l'association de deux réalisateurs. On a Kobun Shizuno et Hiroyuki Seshita. Et au scénario, ils ont fait venir Gen Urobuchi, qui était un scénariste, me semble-t-il, de Détective Conan. Ouais. Parmi d'autres choses. Donc l'idée, effectivement, c'était de lancer une opération commerciale d'envergure autour de ce film, c'est-à-dire de le sortir en novembre 2017, quasiment, enfin un peu plus d'un an après la sortie de Shin Godzilla, de lancer un festival Godzilla au Japon qui s'est avéré très très réussi, donc il y a eu beaucoup de succès en même temps que la sortie du film, qui a eu beaucoup beaucoup de pub, on pouvait voir des éléments du nouveau Godzilla un peu partout dans et notamment dans le Godzilla lui-même la tête était... Donc ça s'est fait petit à petit en montrant des designs des personnages, en montrant des affiches, en montrant des production art. Et Godzilla s'est fait quand même assez attendre, hein, parce qu'on l'a pas vu avant, c'était pas, voilà, c'était pas le premier personnage qui montrait, hein. Je crois que la première affiche d'ailleurs de mémoire, on voyait juste le héros principal, ouais, il avait même pas marqué, il y avait même pas une figure de Godzilla, ouais. C'était juste marqué Godzilla avec un héros humain. Il aurait fallu attendre cette fameuse affiche en noir et blanc, on le voyait un peu comme ça, un peu stylisé, ouais. On devinait qu'il ressemblait un peu au Godzilla de Gareth Edwards, mais on ne savait pas encore trop à quoi il allait ressembler. Et puis bon, ensuite, tous les trailers sont arrivés assez rapidement, le film est sorti au Japon en novembre dernier, et il a plutôt pas mal marché, il me semble bien, ce qui est cool, puisque ça montre que Godzilla, maintenant, cartonne de nouveau au Japon. Et donc, opération commerciale grandiose, le film sort sur Netflix à l'international en janvier 2018. Donc voilà, donc premier d'une trilogie, c'est-à-dire que là actuellement on tourne l'émission au mois de février, le deuxième film doit sortir au Japon au mois de mai, et le troisième en fin d'année, entre septembre et octobre au Japon. Trilogie qui a quasiment été faite quasiment en même temps, les trois films ont été développés en même temps. Donc de quoi est-ce que ce film parle? Donc il faut savoir que c'est encore un reboot de l'histoire de Godzilla, mais cette fois on change totalement le concept, et tu vas nous en parler. Alors, Jordan. Donc... Déjà, le pitch, le pitch. Donc, des monstres sont apparus sur Terre et ont tout saccagé. Et l'humanité est en train de connaître l'âge de l'extinction. Sauf que leur dernier recours, en fait, c'est de partir dans l'espace, ni plus ni moins, et d'abandonner la Terre. Donc, c'est pour ça qu'il y a des fusées. Des vaisseaux spatiaux. Des vaisseaux spatiaux qui quittent la Terre avec l'humanité qu'elle peut emmener. Et, des arches de Noé spatiales, voilà. On va dire. Et des années plus tard, il est question de retourner sur Terre, parce qu'on pense que la Terre est de nouveau habitable, et donc on a une équipe qui repart sur la planète bleue. Et donc là, ils vont se retrouver nez à nez avec une Terre totalement modifiée, qui a totalement évolué, et un Godzilla qui règne en maître sur la planète. Ce qui est important, c'est de dire que dans l'espace... Le temps s'écoule différemment, c'est-à-dire ils sont dans une espèce de faille spatio-temporelle. Enfin, bref, il y a 20 ans qui s'écoulent dans l'espace, donc ça fait que le héros qui était petit lors du départ de la Terre est devenu adulte. Et entre-temps, sur Terre, il s'est passé 20 000 ans. Donc ça fait que la Terre a été totalement modifiée, l'atmosphère n'est plus la même, la Terre est totalement recouverte de végétation, il n'y a plus aucune zone urbaine. Et donc les kaijus, effectivement, ont pris le contrôle de la Terre. Enfin, en tout cas, des monstres. Les écosystèmes ont totalement évolué. Les plantes sont démesurées. Voilà. Et donc le héros principal, Haruo, a perdu ses parents. Lors de la première attaque, tout à fait. Et donc il veut se venger. Il est super énervé, il veut se venger. Et son but, c'est de tuer Godzilla, ni plus ni moins. Lui, il veut retourner sur Terre pour buter le kaiju. Il est vénère. Voilà. Idée intéressante. Scénario sur papier. Ultra novateur. Ouais. Qui change un peu des films de monstres habituels où c'est le kaiju qui va forcément venir pour défoncer la ville. Donc, très prometteur. Comme finalement, justement, ce concept d'un kaiju qui arrive et qui détruit une ville, c'est résumé dans les deux premières minutes du film, où là, on résume par le biais d'images, comme ça, même pas de vidéos, mais de fresques. Oui. On raconte qu'il y a eu des monstres. Alors, pour le coup, c'est intéressant parce qu'on ne fait pas intervenir les monstres les plus connus. Non, il y a Dogora. Il y a Dagara, il y a Orga, il y a Kamakiras, et surtout... On introduit enfin Dogora dans l'univers canon de Godzilla, ce qui est pas mal. Fait. Et du coup, voilà, on nous explique que les monstres donc sont apparus en masse et qu'ils ont détruit la Terre. En fait, c'est le début, c'est vulgairement un Godzilla Final Wars ou un Destroy All Monsters qui aurait mal fini. Voilà. Et puis donc il y a une équipe d'extraterrestres qui arrive, mais qui cette fois nous aide pour de vrai. Et une autre équipe d'extraterrestres. C'est comme ça en fait que. Plus ou moins, on va pouvoir quitter la Terre et prospérer dans l'espace. Tout à fait.
Donc globalement, qu'est-ce qu'on en a pensé ? Comme je disais, sur le papier, c'était... moi ça me donnait bien envie, sauf que en pratique, c'était une semi-déception quand même, une grosse déception, parce que déjà problème de rythme. Il y a un problème de rythme. L'animation, elle passe certes beaucoup mieux dans le film que sur les bandes annonces. Moi, quand je voyais les bandes annonces, c'est pas totalement finalisé encore. J'avais beaucoup de mal. Et puis finalement, ça passe très très bien. Sauf que le problème du film, c'est que ça enchaîne les concepts qu'on a vus cette année, ou dans des films, ou dans des jeux, ou dans des œuvres qui sont déjà sorties. Sauf que ça les exploite moins bien. Par exemple, vous prenez tout le début, c'est exactement la même chose qu'il y a dans le Mass Effect Andromeda. Each bold leap forward was achieved by those willing to do anything to attain it. We are, all of us, leaving behind families, homes, the very birthplace of our species. Some for discovery, to see the unknown. Others for a new start. But today, whatever our reasons, we take the first steps toward a new future for humanity. Today, we begin to make our dream reality. Il y a pas d'enjeu sur le fait que on a toute une civilisation qui se réveille comme ça dans l'espace après des années de possible hibernation. Et voilà, il y a aucun enjeu à ce niveau-là. Et surtout, je trouve que, comme je disais, il y a des gros problèmes de rythme. Enfin, moi, j'ai trouvé que le film était assez, assez long, et finalement, il raconte pas grand-chose. Et il est court, surtout. Il est court, mais il paraît... 1h25, hein. Ouais, il fait 1h25, mais il est vachement long en termes de récit. Et finalement, c'est juste pour nous dire, on va repartir sur Terre, et une fois sur Terre, il se passe pas grand-chose. On essaye juste de buter Godzilla, et on rencontre 2-3 plantes, 2-3 insectes géants, 2-3 machins. Et... finalement, comme je le dis, on est là et on est passif devant le truc. Moi, j'étais pas impliqué, quoi. Clairement, dans le film, j'étais pas impliqué. Ouais, tout à fait. C'est le premier épisode d'une trilogie, mais le premier épisode devrait être une fin en soi. C'est-à-dire, on devrait sortir déjà grandi de la première étape du voyage. Or, c'est juste une amorce de récit. Le problème, c'est que les éléments contextuels devraient être des éléments narratifs, et les éléments narratifs devraient être des éléments contextuels. C'est ça. C'est-à-dire que quand je vois un débat entre le héros, donc Haruo, et un extraterrestre autour de l'épine dorsale de Godzilla, et qu'on nous le fait de grand large en travers pour nous dire que c'est là qu'il faut le tuer... J'avais compris la première fois, mais quand on me le dit 3 fois, c'est un peu lourd. Et je trouve que ce héros, à part être vénère, il a rien pour lui, quoi. C'est-à-dire que tout le monde est énervé. Tout le monde a le droit d'être énervé. Donc c'est normal, je veux dire, on t'a obligé à quitter ta planète. Voilà. C'est normal que tu sois énervé, mais c'est vrai que son degré d'énervement est peut-être hors de propos. Je pense que ce qui manque, on a cette fameuse scène où on le voit évacuer avec des milliers de gens, mais ce qui manque, c'est une confrontation... Scène qui, encore une fois, est reprise dans Mass Effect, parce que c'est exactement la même chose qu'il y a dans Mass Effect 3. Tu vois, je pense à des scènes comme l'ouverture de Gamera 3 avec la jeune fille qui voit sa famille se faire tuer dans un immeuble et elle a une confrontation avec la créature, ou de la petite gamine dans Pacific Rim qui se fait
qui se fait poursuivre par la créature, tout ça. Il faut des moments, ou même le début du Godzilla de Gareth Edwards, oui. je peux prendre d'autres exemples, mais il faut ce moment qui justifie que le héros ait un lien personnel avec le monstre qui fait que j'ai envie de te tuer. Ouais, sauf que là, dans la scène où on le voit évacuer, il y a Godzilla qui est au loin, il est là-bas, et on les voit tous partir. Il n'y a pas d'émotion. Godzilla, il est en train de détruire un immeuble, mais à la limite, on s'en fout. Oui, voilà. Eux, ils sont limite en sécurité, ils vont partir dans leur navette, il n'y a pas de problème en soi. J'ai été un peu déçu par certains designs, notamment les vaisseaux qui vont sur Terre, on aurait dit les corvettes de l'Alliance Rebelle dans l'Empire Contre-Attaque. Oui. Je dis, bon, ok, les mecs, vous n'êtes pas foulés. Et les costumes des héros, là, les espèces de juste au corps, là, c'était des mélanges entre des choses qu'on a déjà vues dans la saga, notamment, je pense, aux costumes des agents de l'IDF dans Final Wars. Le problème, c'est qu'il y a des bonnes idées de réalisation. Clairement, il y a des plans qui sont vraiment à couper le souffle. Moi, il y a des fois où je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu ça en film live? Parce que des fois, il y a tout un passage où, par exemple, on le voit dans son petit vaisseau tourner autour de Godzilla. Enfin, il y a des idées de mise en scène. Il y a vraiment des très bonnes scènes avec un degré d'action qui est quand même présent. Une intensité. Voilà. Sauf qu'à côté, il y a un manque d'intensité de tous les instants. D'une part, dans les dialogues qui, clairement, des fois, sont à la limite... du soap, hein, des fois. Voilà, c'est bon... à un moment, ils font tout un débat sur une possible personne qui aurait balancé un dossier confidentiel. Tu t'en fous, fondamentalement. Voilà. Et puis, moi, ce qui me gêne surtout, c'est la fin. C'est-à-dire, la fin, quand vous regardez le film, vous voyez très clairement qu'il y a des possibilités pour qu'ils ferment le récit comme ça, qu'ils ont des moyens de couper leur film, et non, il faut qu'ils le coupent en pleine action. Ouais, parce que, pour ceux qui ont vu le film, spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc, dégagez, et vous-en, ils tombent sur Godzilla, ils se battent contre lui, pendant, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, ça dure assez longtemps, c'est un combat acharné, tout ça pour nous révéler que ce Godzilla qui fait 150 mètres n'est pas du tout Godzilla, c'est juste un rejeton de Godzilla, un Godzilla junior, enfin voilà, une version petite de Godzilla, avec des nouveaux pouvoirs, des nouveaux attributs, tout ça. Et ils réussissent à l'avoir, et là t'aurais pu couper le récit, t'aurais pu finir. Sauf que, au-delà de ça, ils préfèrent te mettre une scène où t'as le grand Godzilla qui arrive, où du coup ils commencent le combat, voilà. Tu les vois qu'ils sont en train de se battre contre le gros Godzilla, et hop, ça coupe. C'est vraiment dommage parce qu'on ne coupe pas son film comme ça en pleine action. Et qui te dit que les gens seraient allés voir le film? Les mecs, ils ont pris un risque de malade. Ils se sont dit, bon, ben, on part du principe que les gens vont forcément aller voir le film, donc on coupe l'action en plein milieu. C'est ça. Imagine si le film avait été un plantage. Ils se seraient trouvés là avec leur histoire inachevée. Parce que c'est même pas une notion de cliffhanger à ce compte-là. Non, c'est de la frustration. Il y a des moyens de finir sur de l'action, ça existe dans les séries par exemple, oui, ça bien sûr. Enfin voilà, ça se fait. Mais là c'est même pas un concept de cliffhanger, c'est juste un concept. Ça s'arrête. Enfin, on finit parce que on doit finir. On sent qu'il manque quelque chose. Non, je trouve que c'est. Et au-delà de ça, comme je disais, il y a des supers idées. Par exemple, le Godzilla végétal. Oui, ça c'est très bien comme idée, bien sûr. C'est très très bien. Le fait que la Terre soit devenue une planète totalement différente, c'est très bien. Parce qu'en même temps, on est dans un univers qu'on connaît, en même temps, on est dans un concept de SF pur. Mais voilà, le problème, c'est qu'ils alignent les bonnes idées, mais c'est tout. Ils ne savent pas les exploiter. Exactement, c'est un enchaînement de concepts, et tu sens qu'il manque une histoire, une narration suffisamment solide pour rendre le récit intéressant. Et du coup, comparé à Shin Godzilla, qui est un film très dialogué, et beaucoup de scènes de réunion, là, je me suis ennuyé. Ouais, mais le problème je aussi, vraiment, tu vois, c'est que... Je l'ai regardé en deux fois, c'est pour dire. T'as une justification dans Shin Godzilla. Oui. Là, t'as aucune justification à autant de scènes de dialogue. C'est un film de science-fiction avec des vaisseaux et avec sur la conquête spatiale, entre autres. Et les mecs, ils arrivent à me rendre ça ennuyeux. Il y a toute une scène où ils vont tenter de coloniser une autre planète. Et le héros leur dit, non, n'y allez pas, c'est dangereux, vous allez être détruits. Et effectivement, le vaisseau se plante. Et le héros fait... Alors que tu
t'en fous, c'est des personnages que tu viens à peine de voir. Oui, c'est dans les trois premières minutes du film, il n'y a, aucune intensité sur ces personnages-là. Et c'est vraiment une déception. Alors, bien sûr, on regardera les deux suivants. Oui, mais je ne le regarderai pas par envie. Je le regarderai par nécessité, pour voir pareil, comment ça évolue, mais pas parce que je dis... T'as pas d'attente. Ça m'a plu, j'ai hâte de voir la suite. Ouais, ouais, bien sûr, mais pareil. Tu vois, c'est pas comme quand tu regardes un film d'une trilogie où tu te dis, ouais, non, ça j'ai envie de voir la suite, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Oui, parce que tu je suis pas tenu en haleine. Non, et puis même. Je suis frustré en fait. L'expérience de cette première étape de voyage n'a pas été suffisamment intéressante pour te donner envie de voir la suite. Bon, bien sûr, on regardera parce qu'on est des fans, mais je trouve que là, ils ont un peu fourré leur coup. Et puis surtout, à la fin, ils commencent à introduire encore plein de trucs, notamment par le biais d'une scène post-générique. Ouais. Faut arrêter là. Voyez-le quand même, je pense. Il faut quand même se faire une idée. Mais soyez pas surpris si vous ressortez frustré. Bien sûr. Non, mais je suis d'accord. Voilà. Donc en tout cas, là, on va passer maintenant à la Toku Cave. On va parler un petit peu musique en rapport avec ce film. Allez, c'est parti. Alors, on continue de parler de Godzilla Pet of the Monsters, mais cette fois, c'est pour nos oreilles. Eh oui, donc, qui dit nouvelle franchise, nouvelle licence, dit obligatoirement, comme d'habitude, merchandising. Et cette fois-ci, fait assez rare pour un Godzilla japonais, la sortie simultanée de deux CD. Donc voilà, donc le premier... plutôt celui-là, je ne vais pas m'attarder dessus, c'est la chanson titre du film, qui est plutôt pas mal, plutôt sympa, qui a été produite notamment par le groupe Boom Boom Satellite, entre autres, la chanson Whiteout de Xai, qui est présente en version chantée et version instrumentale. Donc là, c'est la version du film, enfin, c'est le CD du film, mais il y a eu également une autre édition où on voit la chanteuse, enfin, une photo de la chanteuse où il y a d'autres chansons dessus. Là, ça se résume vraiment au CD de titre. Voilà, même s'il y a un petit bonus en plus, pareil, en instrumentale et en version chantée, mais bon, voilà, globalement, c'est surtout l'édition lié au film, mais surtout, voilà, on a le CD là du score, donc de Takayuki Hattori, qui est un score Moi j'aime pas, clairement, qui est trop présent. Qui a des bonnes idées, mais qui est un peu pompeux. Et bon, là, par exemple, le CD il dure 1h15. Bon, voilà, au bout d'une heure et quart, c'est un petit peu étouffant, quoi, clairement. C'est dommage, mais le CD est quand même assez joli parce qu'il est un peu métallisé, tout ça. Et c'est toujours intéressant de se dire qu'on a la quasi-totalité de la musique. Je veux dire, ils auraient très bien pu faire un album de 50 minutes. Mais voilà, il y a des très bons thèmes dedans. Enfin, j'ai trouvé notamment tous les thèmes un peu martiaux. Des fois, ils sont vachement bien. Mais le problème, c'est que c'est trop synthé, cheap, comme il a l'habitude de faire par moment. Et bon, c'est un peu dommage. Et 1h15 de ça, c'est long. Oui, bien vraiment, sûr. C'est long. Pour un film d'1h25, 1h15 de musique, c'est vraiment trop. Le contenu est quand même de qualité. Enfin, le rendu, que ce soit le livret, que ce soit le CD en lui-même, il est plutôt plaisant. Mais bon, après, voilà, la musique, elle vaut ce qu'elle vaut. Voilà, donc je voulais quand même vous en parler parce que bon, on est dans l'actu, donc autant. Autant aller jusqu'au bout. Donc voilà, c'est dispo sur les sites habituels, Amazon Japan, Arc Square, tout ça. Enfin, voilà. C'est sorti chez Toho Animation Records. Très bien. Voilà. Donc on continue sur Hattori. Et oui, dans le Dikotoku. Donc on va continuer sur l'histoire de Monsieur Hattori, puisque tu as un petit peu peaufiné le sujet, on va dire. Et oui, donc on va vous faire un Dikotoku sur ce monsieur. Takayuki Hattori. Voilà, donc le compositeur de la musique de Godzilla Planet of the Monsters. Donc là, je vais prendre ma petite fiche. Donc déjà, il est né le 21 novembre 1965. Et ce qui est déjà très intéressant de noter, c'est qu'il évolue dans une famille de musiciens. Son grand-père déjà était compositeur de musique. Et son père, donc Katsuhisa Hattori, est lui aussi compositeur et arrangeur de musique. Il a fait des musiques pour des animés. Il a fait des musiques plus classiques, plus personnelles, des albums studio, tout ça. Et il est également musicien pour le cinéma.
Notamment en ce qui nous concerne, c'est lui qui signe la musique du film Yusei Oji, donc le Planet Prince. Voilà. Donc c'est son père déjà qui signe la musique. Donc déjà il a. Il a un pied dans le genre. Déjà. Donc voilà, il était plus ou moins prédestiné à faire à évoluer dans le tokusatsu par la suite. Ce qui est très intéressant de noter pour un compositeur japonais, c'est surtout qu'il intègre en 1983, non pas les écoles de musique au Japon, mais le conservatoire de Paris. Ah bon. Il a fait ses études en France, et il est diplômé donc en 88 du conservatoire de Paris, et c'est à partir de là qu'il va retourner au Japon. Et avant d'être réellement compositeur, il va tout d'abord être arrangeur sur des albums principalement d'artistes pop de l'époque, mais également d'artistes un peu plus classiques, mais surtout de personnalités pop. Hein. Et je pense que c'est ça qui va lui donner un style un peu synthétique, très punchy, qui n'est pas forcément très orchestral ou très classique. Ouais, c'est un peu l'opposé de Ifukube. Voilà. Et justement, à la même période, donc quand il rentre au Japon, donc en 89, il collabore avec son père sur les arrangements d'un album orchestral lié à Final Fantasy, donc le fameux Symphonic Suite Final Fantasy, composé à la base par Monsieur Nobuo Uematsu, donc le compositeur légendaire de Final Fantasy. Donc voilà, c'est son père et lui qui font les arrangements orchestraux de ce CD. Incroyable quand même. En ce qui nous concerne, il va intégrer la franchise Godzilla dans les années 90. Oui. Avec notamment le film Godzilla contre Space Godzilla. 1994. En 94, où il compose du coup la bande-son, clairement. Qui là, pour le coup, étrangement, est plus ou moins orchestral quand même. Hein, oui. Ce qui est très paradoxal et ce qu'il fera après. Mais là, la musique est quand même assez... assez orchestrale, assez classique. On est loin quand même. Oui, on est loin de ce que se faisait Ifukube avant et après. Lui, il arrive comme ça, et c'est vrai que c'est un son quand même qui est assez radical c'est pas pareil, sur ce qui se faisait sur l'RCI. Le film est assez radical aussi. Et on va le retrouver aux commandes du Godzilla 2000, puisque c'est lui qui signe la partition du Godzilla 2000, qui est pour le coup une partition que moi j'aime bien. C'est un score supérieur. Ouais, je trouve que le thème qu'il a composé pour le film est plutôt plaisant. Moi j'avais bien aimé. Ce qui est dommage, c'est que dans la version américaine, ils ont sabré pas mal de ces musiques quand même. Ouais, mais j'avais trouvé qu'il y avait un vrai thème. Oui. On a un cran au-dessus, hein, quand même. Ouais, il y avait un vrai thème, alors que dans Space Godzilla, c'était plus ou moins du remplissage. Là, on avait un vrai thème et des vrais enjeux, quoi. Oui, tout à fait. Et là, du coup, sans qu'on sache pourquoi, ils l'ont rappelé. Ouais. Ils l'ont rappelé pour faire la musique de ce Godzilla, Planet of the Monsters. Donc, je pense que le problème, c'est qu'il a été un peu rappelé à la dernière minute. Je pense il a été annoncé assez tardivement pense qu'il n'a pas eu forcément le temps de faire ce qu'il voulait faire. Parce que des fois, quand on écoute la musique, on sent qu'il y a des passages trop synthétiques pour qu'ils soient finalisés. C'est de la musique au kilomètre. Hein, on sent que des fois... Moi, ça me fait penser à des démos. Ouais, bien sûr. Des fois, il y a des musiques, on dirait des démos. Mais surtout qu'il n'y a pas de cohérence. Des fois, il y a des trucs qui ne sont pas finalisés. C'est hallucinant. C'est pour ça, comme je vous disais sur le CD, des fois, c'est assez rébarbatif, une heure et quart, parce que vous avez des morceaux qui sont très bons, et des fois, vous avez des morceaux qui sonnent comme des démos, comme des trucs pas finis au synthé. Donc, je pense qu'il y a un problème de temps. Il y a eu un problème de temps. J'espère quand même qu'il va revenir sur le 2 et que cette fois il aura eu le temps de développer ses thèmes. Je sais pas. Hein. Ça serait cool. Ouais, ça serait cool. Mais c'est vrai que l'expérience musicale du film était très désagréable. Et vraiment, puis même, la musique, elle est vachement zarbi. Ouais, enfin, elle est pas cohérente. Un truc à l'autre. Voilà, ça n'a absolument rien à voir. Et par contre, du coup, dans les années 2000, il a travaillé avec Jam Project. Ah. Voilà. C'est lui notamment qui dirige l'orchestre et qui est arrangeur sur les parties orchestrales sur deux albums, donc Victoria Cross, sorti en 2011, et Tom Rise Again, sorti cette fois-ci en 2013. D'accord. Donc les albums assez récents de Jam. Et surtout, pour d'autres travaux, moi je voudrais vous parler rapidement de
ses compositions sur notamment l'animé Slayers, Codebreaker, c'est lui qui avait fait ça. Il a fait également les dramas Hero et Death Note. Ah oui, d'accord. Voilà, drama qui est sorti récemment. Ah oui, c'est tout récent, c'est tout frais. Peut-être deux ans ou trois ans. Oui, bien sûr. Et par exemple, le jeu vidéo Arc the Light, Twilight of the Spirits, qui était sorti sur PS2 à l'époque. C'est lui qui avait fait ça. Mais un monsieur qui, je pense, a des capacités. Ouais. Potentiel. Sur Godzilla 2000, en tout cas, il l'avait. Ouais, c'est peut-être son meilleur score, les trois Godzilla. Voilà. Mais je pense que, comme tout le monde, il a besoin de temps pour vraiment réussir à faire quelque chose de qualité. Et c'est pour ça que moi, je milite quand même pour qu'il soit sur le deuxième film. Bah, autant qu'il y ait une continuité musicale. D'une part, qu'il y ait une continuité, mais surtout qu'il réussisse à faire aboutir ses thèmes. Voilà, parce que là, on est, comme je dis, on est à des démos, à des projets de thèmes, en fait. Ouais, bien sûr. On n'est pas sur des trucs finaux. Et c'est pour ça que moi, ça me gêne. Ouais, je comprends. Ça me gêne parce qu'il y a du potentiel et que je pense qu'il faudrait... exploiter le potentiel. Donc en tout cas, un monsieur qui est assez quand même intéressant, qui a un parcours assez atypique, loin des grandes figures comme Ifu Kube ou Masaru Sato, qui eux sont des compositeurs classiques. Mmh. Lui, il a un côté un peu pop, comme ça, et du coup, voilà, je voulais vous en parler. Ben voilà, très bien. Voilà. On va rester là, je pense, ouais. Parce qu'on a quand même bien fait le tour de ce Godzilla Planet of the Monsters. Et tu veux qu'on se quitte sur quoi, alors? On va se quitter sur le thème principal du film. Très bien. Voilà, qui est plutôt sympa, en plus. Donc, en tout cas, la prochaine fois, on va vous parler de Sentai. Donc, on va reprendre avec Mega Ranger. Donc, en tout cas, on le rappelle quand même, le film Godzilla est disponible donc, sur Netflix. Voyez-le si vous avez envie. Faites-vous une idée. Voilà, je pense qu'il y a vraiment besoin d'avoir un avis personnel pour se faire une idée. Et puis du coup, on se dit à la prochaine. Et puis en tout cas, prenez soin de vous et transmettez-vous.